Avoir une vision de la recherche comme quelque chose de très isolant, c'est une déformation de ce que c'est que la thèse. On est aussi à la rencontre des autres, et je pense que c'est important de revenir à ça quand on pense à la recherche. Bonjour, je suis Charlotte Détré, je suis doctorante en quatrième année de thèse en littérature générale et comparée. Je travaille sur les académies littéraires au XVIIe siècle et l'enjeu c'est de voir par le texte comment les académies littéraires qui sont donc des groupuscules d'auteurs et autres mécènes qui travaillent ensemble, comment ils donnent des informations sur ce qu'ils sont, comment ils parviennent à regrouper leurs idées dans un ouvrage imprimé et surtout de voir comment cet ouvrage imprimé permet de donner une publicité à l'académie et donc à la faire connaître d'autres auteurs ou d'autres mécènes. C'est ce qui m'anime au quotidien, de travailler sur des groupes plutôt que sur des individus. Quand on travaille en littérature, on perçoit la littérature comme une sorte de mythe de génie individuel. La majorité des thèses en littérature sont consacrées à des auteurs uniques ou alors à des œuvres uniques. Ça me faisait beaucoup réfléchir par rapport à la place de l'individu dans la société. Ça me semblait plus intéressant de travailler sur des collectifs, c'est-à-dire sur des groupes de personnes qui travaillent ensemble pour créer ensemble. Collectif Doctoral, c'est une association de doctorants de Sorbonne Université. L'intérêt, c'est déjà de regrouper les doctorants de Sorbonne Université des trois facultés, la faculté des lettres, la faculté de santé et la faculté des sciences. Au sein du collectif doctoral, je suis la responsable du pôle scientifique, ce qui signifie que j'organise à la fois les journées de rentrée, comment elles se mettent en place, je contacte les différents intervenants, j'imagine à quoi va ressembler la journée de rentrée. Ces trois facultés, en fait, ont des points communs dans leurs écoles doctorales et le but du collectif doctoral, c'est de les assembler, de voir comment, ensemble, et malgré le fait qu'ils travaillent tous sur des sujets différents et dans des domaines différents, on a, malgré tout, on partage des expériences similaires et on partage également des problématiques communes. Être en doctorat, c'est professionnalisant dans le sens où on est à la fois dans une formation en communication, on est également en formation en gestion de projet. En fait, mon objectif professionnel, c'est de devenir maîtresse de conférence parce que pendant que je faisais mon doctorat, je me suis aperçue que la manière d'être utile à la société, c'est aussi de transmettre et d'enseigner son savoir et ses connaissances au plus grand nombre et donc de continuer à travailler à l'université ou même plus globalement dans l'enseignement et de la combiner à la recherche, c'est une manière d'être utile.